pour les filles, la petite différence est qu'elles sont 14. Il y a 14 notes. Et on comprend bien que 14 divisé par 2, 14 étant un nombre pair, on va donc tomber sur un nombre entier. Veuillez voir, 7 notes d'un côté, 7 notes de l'autre, et on voudrait nous trouver une médiane qui soit au milieu, qui nous répartisse notre série entre, avec 7 notes inférieures et 7 notes supérieures. Mais comme on a 14 notes en tout, on se rend bien compte que la médiane ne sera peut-être pas une note, comme dans le cas précédent pour les garçons. On va donc compter 3, 6, voilà. Les 7 filles qui ont la note la plus faible sont les filles qui ont eu 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. Et d'un autre côté, voilà 7 filles ici qui ont eu les notes supérieures. Par définition, il faut que notre médiane se situe ici, entre les deux. Comme la dernière note du premier groupe est 11, que la première note du deuxième groupe est 11, assez facilement dans notre cas ici, la médiane ne peut être que 11. Donc la médiane est égale à 11 dans l'autre cas.